Bonjour à vous, nous voilà pour l'épisode 8 de notre aventure suivie. La dernière fois, j'avais arrêté l'épisode ici et j'ai fait quelques petits trucs en attendant de tourner cet épisode. J'ai repris tout ce que j'avais dans le coffre et aussi je suis remonté me faire une armure. En argent, parce que j'étais un peu tout nu. Donc voilà. Je suis bien normal. Donc, eh ben, on va y aller, ça va être parti. On va explorer les endroits les plus sombres. Voilà. Donc là, je sais pas du tout où ça mène. Apparemment, on fait le tour. Je suis paumé. Je sais même plus où est-ce qu'elle est la sortie. Oula. Reste zen. Je sens qu'il y a des monstres pas loin. Je sais pas. Je le sens. Ah, ça débouche ici. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc là, par contre, je m'y reconnais. Je ramasse l'argent parce que j'en ai utilisé notamment pour faire mon armure et j'aimerais bien en revoir. En tout cas, il y en a pas mal apparemment. Donc plus qu'à ce qu'un monstre vienne m'attaquer pour que je perde de tout. Donc, on a lancé récemment avec là, j'ai plus de pioche, avec Funo Dave une nouvelle série. Donc là, non pas présentant le serveur de Funo Dave, mais ah, 30, pas mal. Mais en fait, où Funo Dave et moi, on participe à une petite map. Où notre but, ça sera de prospérer, notamment contre les creepers. Donc en fait, on joue tous les deux,
ensemble. Et la nouvelle série, c'est S'entraider pour survivre. Ça veut bien tout dire. Bon, donc apparemment, j'ai tout exploré ici. Je vais reprendre un peu de charbon. Bon, j'ai pas tout exploré. Alors, avec tout l'argent que j'ai sur moi, je vais vite remonter. Mettre tout ça dans le coffre. Puis après, je continue. Voilà. Bah, allez, on va mettre ça aussi. Vais me faire d'autres bâtonnets. Donc, d'autres bâtonnets, il me faut du bois. Voilà. Et donc avec, je vais me faire une autre pioche. Parce que je pense que je vais piocher beaucoup. Mon petit bloc. Terre. Voilà. Allez. Et ben on continue. Donc, et où l'escalier? Il est là. Et on continue. Toujours dans la bonne humeur, nous continuons cet épisode. Dans la bonne humeur qui, j'espère, continuera à prospérer. Ah, le charbon. Il y en a pas mal, hein. Hop là. Bon, donc ici c'est fait. Il nous manque ce petit endroit. Ok. Donc, 2 petites secondes. Bon, vous avez peut-être rien vu, mais pour la première fois, notamment dans cette série, j'ai réussi à tuer un squelette. Sans qu'il me touche. Ouh, ça c'est fort. Quoi, pour moi, c'est merveilleux. Je sens que ça commence bien là. C'est bon. Ouh. Putain, j'entends des bruits. Putain, vous y croyez ça? J'ai encore tous mes cœurs. Pour une fois que j'ai pris des côtelettes, elles vont même pas me servir, quoi. Putain, c'est un truc vraiment. On peut pas remonter à la surface comme ça, là. Elle est où, la surface?
J'ai des flèches au fait. Oui, j'ai 11 flèches, donc si je veux, je peux tuer avec mon arc. Ah bah voilà. Voilà, bon bah. Là j'ai exploré. Je cherche les endroits où je n'ai pas vraiment exploré encore. Ah, il n'y a pas cet endroit. Ok. Donc, je vais prendre ma pioche, ramasser le fer qu'il y a ici. Oula. Ouais, je suis. En fait, je suis pas très très loin de la surface, hein. Bon. Ah ah. Ah ah. Donc, il y a une lumière ici, ça veut dire que j'y suis déjà allé. Je suis déjà allé ici, mais comment, je ne sais plus. C'est dangereux ça. Voilà, peut plus tomber. Hop. Donc voilà, il est là. Et voilà, je peux ramasser le fer. Sans problème. Oui, je l'ai attrapé. Bon, donc je vais redescendre, récupérer tout l'argent que j'avais mis. Là. Alors, ce qui est magnifique, c'est que je ne sais absolument pas où j'étais. Oh, ah, si, si. Voilà. Ouh. Ah, faut que je reconnaisse mieux ma grotte. Hein. Olé, 39! 39 argent! Si c'est pas beau tout ça. Ouais. Puis la loi de l'enquiquinement maximum va faire en sorte que comme j'ai 39 charbon. Bah, y a une dizaine de creepers qui m'attendent à l'entrée, mais je le sens bien, ce coup. Je le sens. Bon. Allez, encore du charbon, encore du fer. La pinasse, c'est une grotte vraiment. J'ai peut-être pas trouvé de d'or et tout bazar, mais niveau argent, j'ai mon compte. Hein. Oh punaise. Donc là, je vais repartir. Direction In the House. La petite maison. Dans la montagne. Non, la petite maison dans la prairie.
Je dois avoir 40. Non, j'ai 42. Voilà. Bah, disons que pour faire chauffer tout ça, ça va prendre du temps par contre. Mode défensive. La maison n'est plus loin. Donc voilà, je suis enfin à la maison. Je vais me le garder, j'ai de quoi encore faire un autre arc. Donc, hop. Je vais me faire des planches. Et voilà. Ça aussi. Voilà, plus qu'à attendre. Il manquait quoi, le casque? Vous voyez en effet que j'ai plus du tout d'argent. Bon, en attendant que ça cuise, on va peut-être aménager. Aménager. Hop là. Qu'est-ce que je vais aménager? Je vais plutôt couper des arbres. J'ai pas de hache? Non, je n'ai pas de hache. Bon. On fera ça pour cette fois. Un Mexicain, mademoiselle. C'est étendu sur le sol. Ah, l'heure tourne et je ne la vois même pas passer, moi. Donc, apparemment, on a fait plus de 15 minutes. Donc, on va bientôt arrêter. On va se quitter sur la découpe du bois. Donc, je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire dans l'épisode 9. Vraiment aucune. Donc, ouais, si vous avez quelques petites idées, faites-les moi savoir. Faites-y moi savoir. Et puis voilà. La nuit se... j'allais dire la nuit se couche, non, la nuit se lève, le soleil se couche. En tout cas, faut que j'aille faire dodo. Donc, un épisode où finalement il y a eu un tout petit peu de monstres, hein, pas beaucoup, où j'ai survécu. Et voilà. Allez, je vais me faire un petit casque. Voilà. Voilà. Et si c'est pas la classe, ça, avec les petites bottines en cuir, moi j'adore. Knorr. Et donc, eh ben.
On se dit à plus. Bye bye.